Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la version 2.67 de Dofus où on va parler du nouveau contenu succès de cette mise à jour. Ça va être lié uniquement aux compagnons. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai terminé l'intégralité des succès en déverrouillant le nouvel ornement. C'est un ornement assez stylé, même s'il lui manque une petite animation, un petit truc pour vraiment le faire sortir du lot. Il est quand même assez cool. On va revenir ensemble sur les différents succès et puis je vous mettrai quelques combats à l'écran pour illustrer un petit peu mes propos. Au niveau des succès, bon, il y en a pas mal. Il faut savoir qu'à la base, en serveur bêta, quand c'est sorti, c'était uniquement des succès qui nous demandaient de faire des challenges contre des groupes de mobs, que ce soit une fois, 10 fois, 100 fois ou 1000 fois. Donc des trucs assez redondants et fastidieux. Ils ont changé ça en cours de bêta pour nous mettre des succès donjons dont on va parler. Donc l'idée était plutôt bonne, même si je trouve qu'elle est pas allée jusqu'au bout. Ça manque un petit peu de détails, on va y revenir ensemble. Tout d'abord, vous avez différents succès liés à l'obtention de certains compagnons. Vous avez les compagnons à vendre que je vous affiche ici. Vous pouvez les voir directement dans le succès en passant la souris. Ça va être des compagnons que vous pouvez acheter à l'aide de Rose des Sables, de Colisethon, d'Almalton, de Kamas de Glace, de Colisethon. Il y a plein de choses comme ça. Et il faut en obtenir au moins un via à chaque compagnon pour débloquer le succès. Vous avez ensuite les compagnons vagabonds qui s'obtiennent via drop. Pour la liste des endroits où vous pouvez drop, obtenir les compagnons, je vous mets en description la page de Dofus pour les noobs, vous avez tout référencé. Mais vous pouvez en drop en songe, vous en avez certains qui se drop dans des donjons, d'autres sur des familles de monstres. C'est plutôt pas mal pensé. On a ensuite les compagnons artisans qui vont être obtenables via échange de nouveaux crafts. Il y a des nouvelles ressources que vous pouvez crafter via différents métiers pour obtenir ces ressources. Et en échange de certaines quantités de cette nouvelle ressource, vous pouvez obtenir un compagnon artisan. Viennent ensuite en dernier les compagnons bavards que vous pouvez rencontrer à travers le monde des 12 et que vous pouvez obtenir via échange de pas mal de ressources. Par exemple, le carotte que vous pouvez obtenir via 500 et une kawotte sur l'île des Wabits. Et une fois que vous avez obtenu un compagnon de chaque sorte, vous déverrouillez le méta succès, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ensuite, on va avoir des succès liés au donjon. Pour les succès liés au donjon, vous avez à chaque fois un méta succès qui comprend 6 donjons différents. Donc le succès compagnon, c'est donc de vaincre tous les monstres présents dans la salle du boss avec 4 personnages minimum, dont au moins un des compagnons éligibles à la réalisation de ce succès. Donc vous devez être 4 minimum dans le combat. Et pour obtenir le nom des compagnons éligibles à la réalisation de ces succès, vous devez regarder le méta succès. Là par exemple, vous avez Boustache, Dranieris, Elmina, Kralamour, Anris et Dantinéa. Et le méta succès, donc les héros, obtenir les succès suivants accompagnés d'un des compagnons héros. Et là, vous avez l'intégralité des compagnons qui peuvent être utilisés dans ces donjons. Donc Crossmoglobe, Corbax, Mas et Chevalier d'Astrum. Vous avez 10 ou 11 succès comme ça. Donc vous avez 60 ou 66 donjons à faire. Quoi, Régnier, Tofu Royal, Ombre, Dazak, je vous fais tout défiler à l'écran. Je ne vais pas tout vous énumérer. De toute façon, vous pouvez les retrouver sur votre interface succès en jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que vous avez tout fini, vous débloquez le nouvel ornement. Et vous avez fini la mise à jour. Pour les plus complétistes d'entre vous, vous avez 3 nouveaux titres à récupérer dans l'auberge des compagnons. Vous avez pour cela juste besoin de récupérer l'intégralité d'une famille de compagnons, par exemple tous les tourmenteurs ou alors tous les rictus. Vous allez parler au PNJ dans l'auberge des compagnons disponible à Macna et vous récupérez vos titres. Pour la compo que j'ai utilisée, un petit peu comme d'habitude, je me suis séparé du Feka, j'ai joué uniquement avec Panda, Yop et Oguignac et en quatrième personnage du coup j'avais le compagnon que je changeais selon le méta succès. J'ai réalisé l'intégralité des donjons avec cette composition, excepté le dernier donjon que j'ai fait, qui est la reine Amirukam, qui est un donjon que je déteste, qui est un donjon qui est très compliqué au corps à corps, donc je l'ai fait en Yop plus double crash, je me suis pas pris la tête, j'ai joué à distance. Mais sinon, pour l'intégralité des autres donjons, j'ai pris une compo de base, donc je pense que à peu près toutes les compos peuvent faire tous les succès du jeu. Enfin, toutes les succès de cette mise à jour, pardon, il n'y a pas vraiment de donjons compliqués. Vous avez tous les donjons Free 3, donc Nilesa, Comte, Sylarg, Mrs. Freeze, Klim, etc. Vous avez des donjons dimension aussi. Vous avez le Chaloy, le Nidas, la Reine des Voleurs. Vous n'avez pas à faire le Vortex, donc ça va vous faire gagner une heure, c'est plutôt cool. Et après, vous avez plein de donjons très accessibles, que ce soit Ouga, Nelwyn. Vous avez les nouveaux donjons liés à Valonia aussi. Vous avez le Racooper, le Barbaril et le Belladon qui se font très facilement. Vous avez Bethel Solar qui sont un peu relous parce qu'il vous faut le sort Necronix. Et si un donjon que j'ai un petit peu galéré où j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois, c'est le Capitaine Meno. Vu que j'avais l'habitude de le faire en technique où le panda porte juste et le Yop fait que taper. Mais maintenant, vu que quand on porte un allié, il passe pacifiste au bout de 2 tours, on peut plus trop faire ces techniques. Donc j'ai dû la faire au corps à corps en optimisant un petit peu le stuff et les dégâts. Ça...
J'ai perdu un petit peu de temps dessus, c'était un peu relou, mais ça s'est fait aussi. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça se fait assez tranquillement. Pour ce qui est, pour parler globalement de cette refonte de features, de ces nouveaux succès, au niveau des succès, déjà, rien que dans l'interface, c'est assez mal foutu. Il y a pas mal de joueurs en début de mise à jour qui se sont fait avoir en pensant que c'était buggé, en faisant des succès avec des compagnons, et au final ça marchait pas, parce que en fait il faut obligatoirement regarder le méta succès pour voir les compagnons liés justement aux différents donjons. Donc ça c'est assez mal référencé dans l'interface. Pour ce qui est des compagnons en donjon, ça manque un petit peu de variété. C'est de toute façon un truc que j'avais proposé dès la sortie de la bêta. J'avais proposé cette idée de faire justement des succès où il fallait faire tel donjon avec tel compagnon pour augmenter un peu la diversité et donner un réel intérêt aux compagnons également. Là ça manque vraiment de diversité, ils ont juste pris 6 donjons au hasard, ils ont mis 4-5 compagnons par-ci par-là, et voilà, ça fait la rue Michel, donc je trouve ça assez dommage. De toute façon, comme la plupart des features ou des refontes, c'est des trucs qui sont malheureusement pas poussé jusqu'au bout. Il y a plein de choses améliorables. Ils nous l'ont dit dans l'Enkama Live de présentation de la 2.67 qui comptait améliorer la feature, de rendre partie intégrante les compagnons de l'histoire du monde des 12, de les utiliser, de les intégrer dans certaines quêtes, certains combats de quêtes, etc. Malheureusement, c'est des bonnes idées, mais qui devraient être là le jour de la sortie de la feature. C'est pas quelque chose qui doit être posé là et dire on l'améliorera après, comme ils font à chaque fois, que ce soit pour les songes infinis, que ça soit pour les expéditions. À chaque fois ils nous font le coup, ils nous sortent une feature qui sur le papier a l'air trop bien, en jeu ça arrive, c'est vraiment incomplet. Là la mise à jour elle est sortie il y a un tout petit peu plus d'une semaine, j'ai vraiment pris mon temps, moi je faisais 4-5 donjons par soir, je me suis pas vraiment pris la tête et j'ai déjà fini l'intégralité de la mise à jour, et là il va falloir attendre peut-être 2-3 ans que la feature soit améliorée, parce qu'on les connaît, chaque fois ils nous disent on a des idées pour améliorer, machin, machin, machin. Et on attend des mois et des mois, il n'y a rien qui est fait. Donc là on a une feature incomplète qui se torche vraiment vite, parce que moi aussi, forcément, les incarnations à la base, c'était pas vraiment joué dans les anciennes versions, c'était plus un objet de collection. Et du coup la mise à jour est sortie, moi j'ai eu, j'avais déjà toutes les incarnations en fait. Donc j'avais juste à faire les donjons et la mise à jour est pliée. Ils auraient dû, là parce que je rappelle que sur les 52 incarnations, ils ont retravaillé le design, les sorts, l'équilibrage, etc. Vu qu'ils ont fait tout ce travail, ils auraient pu rajouter peut-être, j'en demande pas non plus des dizaines, hein, mais 3, 5, 10 peut-être nouvelles incarnations avec des méthodes d'obtention vraiment particulières pour faire durer un peu cette mise à jour dans le temps, parce que là on va se retrouver, on est en début de 2.67, la plupart des gens ont déjà fini le contenu et les autres doivent être pas mal avancés, ou alors il y en a que ça intéresse pas du tout. On va se retrouver avec plusieurs mois où on ne va rien avoir à faire sur le jeu. Là en plus il y a Dofus Retro qui arrive, donc la plupart des joueurs vont aller sur Dofus Retro et du coup sur officiel ils vont être tranquilles, ils vont pas faire non plus trop de nouveaux contenus, parce qu'en plus la mise à jour a apporté tellement de bugs que là les équipes elles sont monopolisées depuis plus d'une semaine pour tout régler. Il y a eu des bugs sur l'élevage, sur les bugs de connexion monocompte, etc. Un bordel pas possible. Donc je suis assez inquiet sur l'expérience de jeu des différents joueurs au cours des prochains mois. Je pense que ça va être assez triste. Pour ce qui est de la feature, je crois avoir à peu près tout dit. Ouais, manque de finalité, ornement sympa mais sans plus. Manque de nouveaux contenus, c'est juste du réchauffé entre guillemets, vu qu'on va refaire que des donjons qu'on a déjà fait par le passé pour la plupart. Le fait d'avoir un compagnon, ça va ajouter une petite difficulté en plus, parce que faut pas se le cacher, on a beau avoir 1, 10, 40 ou 50 compagnons, c'est juste des sacs à PV avec des kits de sorts assez limités, des cooldowns sur les sorts qui vont être vraiment étouffants, un manque de flexibilité, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Je pensais que ça allait être très cool pour les joueurs monocomptes, mais il s'avère qu'au final ça soit pas si top que ça pour avoir échangé avec pas mal d'entre eux. Donc malheureusement la feature, la refonte est assez flopesque, si j'ose dire. Ça sera tout pour cette vidéo, je vais vous laisser de façon avec quelques combats à l'écran pour vous voyez un petit peu la diversité de donjons qu'on a à faire avec ces succès. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Dites-moi surtout en commentaire vous ce que vous en pensez de cette mise à jour, donnez-moi votre avis, c'est toujours intéressant de débattre et d'échanger avec vous en commentaire. Moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Ciao ciao.